Le plus grand défi pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, je crois que c'est de respecter son rythme. On est dans une société ultra performante où on court toujours un peu après notre queue, excusez-moi l'expression, mais je pense qu'il faut se respecter là-dedans, puis organiser notre horaire de façon à ce que, justement, comme je me répète peut-être, mais à ce qu'on puisse concilier justement travail-famille tout en ayant une qualité de vie. Donc, je pense que si nous, on s'allie à des clients qui ont les mêmes valeurs que nous, bien, on a beaucoup plus de chances d'arriver à ce qui respecte notre rythme à nous. Le conseil que je donnerais à une maman qui désire lancer son entreprise, c'est vraiment de foncer. Donc, comme on sait, il n'y a pas de bon moment et de moment idéal pour mettre un enfant au monde. Donc, c'est la même chose pour les entreprises. Moi, je me dis toujours qu'une maman épanouie et heureuse, c'est un modèle très, très, très inspirant pour les enfants. Donc, qu'attendez-vous pour lancer votre entreprise?